tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux un peu particulière cette année. Vous le savez, cet exercice est nouveau pour nous et je demande donc votre indulgence. Après la présentation des vœux proprement dite, nous ferons une rapide rétrospective des événements 2020 et je vous présenterai nos priorités 2021. Ensuite, je ferai un rapide focus sur la situation sanitaire en Essonne. Puis, nous conclurons par un concert en live du groupe biévrois des Beavers Valley que beaucoup d'entre vous connaissent et apprécient. Au nom du personnel communal, des jeunes conseillers municipaux et de l'équipe municipale, je présente à chacune et chacun tous nos vœux pour 2021. Que cette nouvelle année soit pleine de bonheur et de sérénité, de joie et de succès pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Je souhaite à notre pays de vivre dans la paix et la sécurité, dans l'unité et la solidarité. Je nous souhaite d'avoir collectivement l'énergie et la volonté nécessaires pour cela. Je souhaite bien sûr que la situation sanitaire s'améliore et que nous puissions retrouver les moments de convivialité, de détente et de culture qui nous ont tant manqué en 2020. Les mots sont difficiles à trouver pour décrire cette année qui vient de s'achever. La crise sanitaire nous a fait vivre des situations inédites et nous avons tous dû nous adapter. Les élus ont fait de leur mieux pour assurer la continuité de la gestion des affaires communales avec l'aide des agents communaux mobilisés que je remercie à nouveau. Je pense notamment à notre directeur général des services, M. Bianco, qui a été particulièrement mobilisé et efficace dans cette période. Je pense également au personnel du restaurant municipal qui a préparé et livré chaque jour pendant le confinement une soixantaine de repas pour les personnes âgées, isolées ou malades. Bien que difficile, cette situation a aussi montré la solidarité de nombreux Biévrois. L'appel des personnes isolées, la livraison des courses, la confection de masques, les dons de jeux au foyer Jean Coxet. Vous avez su montrer l'entraide dont est capable notre village. Merci à vous tous. Je remercie également les anciens élus qui ont assuré la continuité en attendant que la nouvelle équipe puisse être installée. Une très large majorité des Biévrois nous ont en effet fait l'honneur de nous élire le 15 mars dernier. Et l'équipe installée le 23 mai s'est mise au travail immédiatement. Nous vous remercions pour votre confiance. 8 jeunes conseillers municipaux ont également été élus en novembre dernier. Je souhaite la bienvenue à cette nouvelle équipe et les félicite pour leur engagement. 2020 nous a fait vivre une nouvelle conjoncture, des moments parfois difficiles, mais aussi des satisfactions. Malgré cette situation, plusieurs réalisations ont pu être menées à bien en 2020. À la satisfaction de tous, et notamment des riverains directs, les travaux du mur anti-bruit le long de la Nationale 118 ont débuté. Après la rénovation du mur existant en 2019, la première tranche d'extension sur une longueur de 200 mètres a été réalisée en octobre et novembre. Je remercie les services de l'État et la région qui financent ce projet attendu depuis plus de 20 ans. Débuté avant le confinement, les travaux de rénovation et d'extension du gymnase ont repris et se poursuivent. La rénovation terminée, ce sont 330 mètres carrés d'extension qui sont en construction actuellement. 21 entreprises travaillent sur ce projet. Les travaux de la Villa des Sources, qui comprendra 36 logements près des écoles, au 22 rue de Paris, ont débuté en octobre. Cette construction permettra également de créer une quinzaine de places supplémentaires pour le parking des écoles. Les travaux de construction de la maison médicale Avenue de la Gare, dont l'avancement a été retardé par la crise sanitaire, ont ensuite repris au printemps. Notre maison médicale sera constituée de 12 cabinets avec des espaces d'attente dédiés, 12 logements sociaux et 42 places de parking souterrain. En parallèle de la maison médicale, nous avons ouvert un centre de soins aux 4 allées des Castors. Il accueille 8 praticiens et permet ainsi d'élargir encore l'offre de soins pour les Biévrois. Le docteur Samia Zouaoui, nouveau médecin généraliste dans notre commune, y consulte en attendant de rejoindre la maison médicale. Le docteur Zouaoui, qui attend un heureux événement,
est remplacé pendant son congé maternité par le docteur Alrifet. La fibre optique aussi a été installée dans notre commune. 96% de notre territoire sont couverts. 2160 prises ont été installées à ce jour et je remercie tout particulièrement Philippe Beau qui, depuis des années, s'est beaucoup investi pour que cette opération soit une réussite. En 2020, nous avons rénové entièrement la gestion à distance de l'éclairage public, permettant ainsi une maintenance plus réactive et une adaptation plus fine de l'intensité des différents points lumineux. Il reste encore quelques réglages à faire, nous en sommes conscients. Le portage d'un repas le week-end a pu être proposé à nos anciens comme nous nous y étions engagés. Ce sont en tout 60 500 repas qui ont été confectionnés en 2020 par l'équipe performante du restaurant scolaire, dont un peu plus de 11 000 repas livrés. Merci à tous. Dans la continuité des travaux déjà réalisés, la cour de l'école Castorba a été réaménagée pour le plus grand bonheur des enfants. Spectacles, expositions ou fêtes, la plupart des manifestations ont hélas dû être annulées et comme de nombreux Français, nous attendons l'autorisation de les reprendre. Les associations se sont malgré tout mobilisées pendant le confinement pour nous offrir des spectacles en vidéo, des animations ou des expositions virtuelles et je les en remercie vivement. Si nous avons été privés de notre traditionnel spectacle de l'élection de la Reine des Fraises, les nouvelles reines ont cependant été élues. Et j'ai une pensée pour Christina, Maïna et Wissem. Je remercie également tous les Biévrois qui ont participé aux différents challenges proposés sur notre page Facebook pendant le confinement, où on proposait des animations sportives ou des recettes. Grâce à eux et aux services communaux, une quarantaine d'activités et de défis ont pu vous être proposés pendant cette période difficile. Je voudrais également saluer nos commerçants qui ont su réagir avec dynamisme et inventivité à la baisse d'activité qu'ils ont connue. Merci à Laurence Moreau d'Orange Métallique qui a présidé pendant 3 ans l'Association des commerçants, laquelle a communiqué son dynamisme et sa créativité. Merci Laurence. En fin d'année, vous avez été nombreux à participer au concours d'illumination de Noël organisé par la commune et l'association des commerçants. Bravo à tous et merci aux commerçants qui ont offert de très beaux lots. Merci également aux bénévoles du comité des fêtes qui nous ont préparé un très joli village du Père Noël avec des automates. Je vous propose de revenir ensemble sur ces belles illuminations en vous présentant une courte vidéo pour laquelle je remercie notre ami biévrois Luc Descottes de l'association des Amis de l'Outil qui a réalisé bénévolement ce film. Je vous retrouve juste après pour continuer les vœux. Thank you.
Bravo à Lorenzo pour ses talents d'acteur et un grand merci à Luc pour cette belle vidéo qui nous redonne le sourire. Plus que jamais, pour que notre village reste actif et dynamique, le commerce biévrois doit être notre choix. Je compte sur vous pour faire vos courses à Bièvre. Je l'ai déjà évoqué, en réponse aux situations parfois dramatiques créées par la crise sanitaire, un bel élan de solidarité s'est manifesté dans notre commune et j'en suis particulièrement fière. 140 sacs solidaires ont ainsi pu être remis pour Noël aux étudiants dans le besoin du plateau de Saclay et une nouvelle collecte est en cours. Je vous encourage bien sûr à y participer. 300 étudiants sont dans une situation très difficile en raison de la crise sanitaire car ils ne peuvent plus travailler pour financer leurs études. Ils sont tout près de nous, il est important de les aider. Merci aux Biévrois masqués qui ont initié cet élan de solidarité et merci à tous ceux qui y participent. En parallèle, la société Strego, installée à Bureauspace, collecte des vivres et produits de première nécessité pour les Restos du Cœur. Je tiens à saluer cette initiative et vous invite à aller déposer vos dons à destination des Restos du Cœur. Dans un autre domaine, mais il s'agit aussi de solidarité, nous avons eu le plaisir de rencontrer plusieurs jeunes Biévrois qui ramassent, au gré de leur promenade, les déchets dans nos espaces naturels. Merci à eux pour leur engagement en faveur de l'environnement et de notre planète. En 2020, nous avons eu la grande tristesse d'apprendre le décès de Jacques Rousseau, qui fut pendant plus de 30 ans président de l'Amicale des anciens combattants et si actif pour notre village. Nous avons une pensée amicale et émue pour Denise, son épouse. Vous avez également été nombreux à rendre hommage à Annie Cordy, qui résida pendant près de 40 ans dans notre commune. Comme vous le savez, nous lui dédierons prochainement un espace dans notre village. Parmi nos projets en 2021, je citerai rapidement les deuxième et troisième phases d'extension du mur anti-bruit qui sera agrandi d'environ 300 mètres, c'est-à-dire que nous irons jusqu'à la ferme Ratel approximativement. Nous aurons également les inaugurations du gymnase prévu au printemps et de la maison médicale au début de l'été. Le début des études, la rénovation de la charpente et de la toiture de la grange aux fraises, ce projet fera l'objet d'une exposition durant le premier trimestre. L'installation de bornes électriques de recharge pour les véhicules électriques qui devrait débuter au troisième trimestre. Le renouvellement de plusieurs caméras de vidéosurveillance. La poursuite de la modernisation de l'éclairage public en remplaçant les lampes les plus énergivores par des technologies à LED, beaucoup plus économes et en respectant la faune nocturne, l'isolation thermique de notre restaurant scolaire, l'extension du réseau de circulation douce, la création d'une plateforme dédiée à la démocratie participative qui permettra à ceux qui le souhaitent de s'investir encore plus dans notre vie locale. Le budget qui sera voté en 2021 allouera 20 000 euros à la vie des quartiers pour que vous puissiez nous proposer des projets. La poursuite de la construction de la Villa des Sources, le démarrage de la construction de la résidence Arbora, située rue de Paris, à la Porte Jaune. Ce projet, sur un terrain privé, comprendra 73 logements, dont 63 logements locatifs sociaux et 10 en accession à la propriété, et un équipement de 400 mètres carrés, vraisemblablement dédié à l'accueil de jour de personnes âgées. Je l'ai déjà évoqué, la culture est durement impactée par la crise sanitaire. Nous soutenons tous les acteurs du milieu culturel qui vivent des moments difficiles et espérons pouvoir proposer rapidement toutes sortes de spectacles et de manifestations. L'équipe municipale est mobilisée pour que ces différents projets soient réalisés. Chacun s'investit également pour que notre village garde son charme et soit toujours plus dynamique dans une atmosphère conviviale et solidaire. Je remercie chaleureusement les élus pour leur engagement au service des Biévrois, pour leur implication et leur écoute. Je remercie le conseil départemental et le conseil régional qui nous ont offert des masques pour tous les Biévrois. Je remercie particulièrement la présidente du conseil régional, Valérie Pécresse, grâce à qui de nombreux tests Covid sont réalisés, notamment dans notre commune. Et d'ailleurs,
Une nouvelle session de test gratuit et sans rendez-vous aura lieu samedi prochain, samedi 16 janvier, de 10h à 17h, dans la salle du conseil municipal. Un grand merci aux agents communaux pour leur dévouement. Je leur souhaite pour 2021 de continuer à accomplir avec succès et sérieux leur mission de service public. Je remercie les personnels des syndicats intercommunaux qui réalisent des projets indispensables au bien-être de nos concitoyens. Je pense notamment au SIAVB, qui pour nous est un précieux partenaire pour la gestion de notre rivière. Je remercie pour leur investissement nos enseignants et tout le personnel municipal qui permet chaque jour à nos enfants de s'épanouir et de travailler dans les meilleures conditions possibles. Tous mes vœux vont également aux associations biévroises, aux bénévoles qui se dépensent toute l'année pour mettre leur dynamisme et leur enthousiasme au service de tous. La crise sanitaire a engendré des difficultés pour certaines associations et nous faisons notre possible pour les aider à surmonter cette situation. À chacune et chacun, j'adresse au nom de tout le conseil municipal tous nos vœux très chaleureux pour 2021. J'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont préparé et diffusé ces vœux inédits, le studio 25 dans lequel je me trouve. Merci à Pascal, Michael, Laurent, William, Mehdi et Alexis. Merci à Luc pour sa superbe vidéo et Lorenzo. Merci au service communication et notamment à Léa. Merci également à Stéphane et toute l'équipe de Ratel. Et bien sûr, un grand merci à mon adjointe en charge de la communication, Christelle de Beaucor. Merci à tous. Comme je vous l'ai annoncé, je terminerai ce discours en partageant rapidement la situation sanitaire dans notre département. Alors, pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres, comme d'habitude. Au 7 janvier, il y avait 381 cas détectés de Covid dans notre département. Le taux de positivité est légèrement supérieur à celui de l'Île-de-France puisqu'il s'élève à 6,4%. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus que, entre guillemets, 22 EHPAD sur les 101 que compte notre département, qui comptent au moins un cas. Actuellement, il y a 68 lits sur 160 occupés en réanimation. Il y en avait 73 au 4 janvier. Malgré tout, le virus continue, bien sûr, à circuler. Le taux d'incidence est en augmentation. Il y a 126 cas pour 100 000 habitants. Il y en a 129 pour l'Île-de-France. Le nombre de tests, qu'ils soient PCR ou antigéniques hebdomadaires, s'élève à environ 30 000 tests. Il faut absolument continuer à se faire tester et s'isoler si l'on est positif. Pour ce faire, vous avez juste à côté de chez nous, à Saclay, nous avons avec les quatre maires, donc de Saclay, de Voilan, d'Igny et de Bièvre. Vous voyez sur la photo, nous avons inauguré jeudi matin ce nouveau centre de dépistage du Covid. Donc ce centre, il vous est dédié. Il est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 17h. Il se trouve juste à côté de l'espace Jeanne Moreau, donc au 65 bis rue de Villeras. Et ces tests sont bien sûr gratuits et sans rendez-vous. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, à Bièvre, nous accueillerons donc samedi prochain dans la salle du conseil municipal aussi une équipe mobile dédiée par la région Île-de-France. Donc un centre de test de 10h à 17h, gratuit et sans rendez-vous. Merci à nouveau à la région Île-de-France. Alors maintenant, j'aimerais vous parler plus particulièrement du sujet qui est d'actualité, la vaccination dans notre département. Comment cela se passe-t-il ? Aujourd'hui, il y a deux circuits. Le flux A, qui concerne en fait les EHPAD pour les personnes âgées, et également les unités de soins longue durée. Actuellement, il y a une phase, comme vous le savez, de consultation pré-vaccinale pour recevoir le consentement des personnes qui résident dans ces unités-là, pour évaluer le besoin et donner le juste nécessaire des doses de vaccin. La vaccination commencera le 18 janvier. Ça, c'est pour le flux A. Il y a également donc le flux B. Donc le flux B qui concerne les personnes âgées de plus de 50 ans et à risque, dans un premier temps pour les professionnels de santé, pour les aides à domicile et pour les pompiers, comme vous le savez. Donc ce flux B,
Cette semaine, il y avait 3 centres de vaccination dans notre département, dans les hôpitaux de Corbeil. L'hôpital de Corbeil est notre hôpital central qui aujourd'hui reçoit toutes les doses de vaccins. Donc Corbeil, Longjumeau et Étampes. Ils peuvent à peu près assurer la vaccination de 900 personnes par semaine. La semaine prochaine, il y aura 2 nouveaux centres pour pourvoir un peu plus le nord du département, l'un dans le nord-est, l'un dans le nord-ouest, donc pour nous. Donc je n'ai pas encore confirmation du lieu précis, mais ce sera vraisemblablement soit Orsay, soit les Ulis, soit Palaiseau, soit Massy. Et donc avec ces 2 nouveaux centres, la capacité vaccinale par semaine s'élèvera donc à 1 800 à partir de la semaine prochaine. Et à la fin du mois, d'autres centres pour les plus de 75 ans et ensuite pour le reste de la population seront déployés dans le département. Donc c'est le préfet qui décide, bien sûr en concertation notamment avec l'Union des maires de l'Essonne et les différents partenaires de notre département, des endroits où les prochains centres de vaccination seront localisés. Donc Bièvre a postulé pour accueillir un centre, notamment dans notre salle des Homeries qui est facile d'accès et qui est assez grande pour organiser un flux. Nous avons reçu un cahier des charges de la part du préfet et nous sommes en train de l'étudier pour pouvoir répondre à ce cahier des charges. Ensuite, pour le Covid, pour terminer, je voudrais faire un petit focus sur les activités économiques. Tous les commerces ont le droit de réouvrir le dimanche, tout le mois de janvier. Et puis, comme vous le savez, le début des soldes a été reporté au 20 janvier. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas à continuer à faire vos courses à Bièvre. Voilà, pour cette situation sanitaire. Alors, pour conserver un caractère festif à ses vœux, nous allons maintenant avoir le plaisir d'écouter un concert en live proposé par les Beavers Valley. Nous sommes très heureux d'accueillir les 5 musiciens, pour certains qui sont biévrois. Je leur souhaite à eux aussi le meilleur pour 2021 et tout le succès qu'ils méritent. Exceptionnellement, je ne remettrai pas de médaille de la commune compte tenu du caractère inhabituel de ces vœux. Je le ferai tout au cours de l'année quand les circonstances s'y prêteront davantage. Je laisse maintenant place aux Beavers Valley et vous renouvelle à tous nos vœux pour cette nouvelle année. Alors merci d'accueillir Antoine. Alors je vais applaudir, je vais être seule, mais derrière votre écran, vous pouvez aussi les applaudir. Antoine, PE, Manu, Camille et Raphaël. Voilà, et moi j'aurai le plaisir de revenir vous retrouver juste après le concert. Bonne installation et bon concert à tous. Merci beaucoup. Ben, un petit mot rapidement. Donc, on est les Beavers Valley. Merci beaucoup à Anne et à toute l'équipe qui, en ces moments durs, permettent à la culture de vivre. Et c'est important pour nous. Donc, on est ravis de commencer avec vous cette année. On vous souhaite tout le meilleur, plein d'amour, plein de joie. Et en avant 2021. I hope that you hear someone.
De l'avance, je reste tranquille, tranquille, tranquille.
ardeur semble quelquefois si futile. Futile, futile. Laissons les fous compter les secondes qui grappillent. Grappillent, grappillent. Et le cours du temps d'irrésistible. On va trop vite, on se fourvoie. Souvent on manque d'air. On cherche la surface. On s'excite, on se débat. Et on chasse des chimères. On fait du surplace. À trop se presser, on s'annule. On s'excite, on finit sur les rotules. Le temps passe, quoi qu'il en soit. Laisse les hommes aux avant. Certains le bras quand d'autres défient sa loi. Mais j'apprends de l'avance quand je reste tranquille. Tranquille, tranquille. Son odeur semble quelquefois si futile. Futile, futile. Laissons les fous compter les secondes qui grappillent. Grappillent, grappillent. Mais le cours du temps est irrésistible. Je me prélasse, je me dors la pilule. Je dors, je fais la paire ou la libellule. Le temps ne se perd pas, ni ne s'accumule. Je sais pas quand j'avance, je sais pas quand je recule. Je me prélasse, ah, on est ridicule. Quand tout s'entrelace et que tout s'accumule. Je me prélasse, ah, on lasse le temps. Je me prélasse avec un P majuscule. Souvent je prends ma guitare et j'ulule. Des fois je me dis que c'est jeune, des fois je me dis c'est nul. J'ai sous la couette, je me dors la pilule. Ouais, je prends de l'avance, je prends du recul. Mais je me réveille et puis ça bascule. Je me balance, me trémousse comme un pendule. Mais je fais pas la tête comme une mule. Ouais, je prends de l'avance. Allez Pierre, dis-le nous. Je prends du recul. Ouais, je prends de l'avance quand je reste tranquille. Tranquille, tranquille. Potion d'heure semble quelquefois si futile. Futile, futile. Laissons les fous compter les secondes qui grappillent. Grappillent, grappillent. Et le cours du temps est irrésistible. Ouais, je prends de l'avance quand je reste tranquille. Tranquille. Tranquille, notion d'heure semble quelquefois si futile. Futile, futile. Laissons les fous tomber les secondes qui grappillent. Grappillent, grappillent. Et le cours du temps est irrésistible. Que j'en le diable t'inspira au gré de cette terre.
maléfique. Je vais sans savoir où il va. Cette terre m'a tourné la tête. M'entraîne dans sa course folle. Fais battre mon cœur en fête au rythme de la farandole. L'ouvrier a sa machine. Infernal. Le pauvreté, sa famine, et le mépris qui fait mal. Allons debout les copains, il faut entrer dans la danse. Ceux qui attendent à demain auront perdu la cadence. Chanson, chante pour que le soleil vienne aussi dans ta maison et que ton cœur se réveille en écoutant ma chanson. Cette musique, qu'un jour le diable t'inspira. Auprès de cet air maléfique, je vais sans savoir où il va. Je vois ce soir cette musique, qu'un jour le diable t'inspira. Auprès de cet air maléfique, je vais sans savoir où il va. Je vois ce soir cette musique, qu'un jour le diable t'inspira. Auprès de cet air maléfique, je vais sans savoir où il va. Je vois ce soir cette musique. Qu'un jour le diable t'inspira. Ouais, cette terre maléfique. Je vais sans savoir où il va. Je vais sans savoir où il va. Je vais sans savoir où il va. Bon, un tout petit mot pour la chanson qui suit, et on reprend la musique, mais on a fait il y a 2 ans une tournée en Andalousie, on a représenté les couleurs de ce magique village, et voilà, on tenait à vous le dire, donc on a parcouru plus de 3000 km pour représenter les couleurs de la Bièvre, et des castors, et de la forêt, et voilà, gloire à Bièvre, et on vous aime. Ah oui, et nos meilleurs parents du monde, mais bon. Hay tanto camino pa' verte. Lo que encuentro, si pudiera decirte, son tus ojos llenos de estrellas que ofrecen con alegría. Espejo del alma que abre de par en par. Espejo del alma que abre de par en par. Mi ventana.
mi ser tuyo. Y cuando ve abajo de la luna esa calle, sus flores, su son, y ofrece fluyendo en la grasa un baile antiguo sin palabras hasta que viene. Un baile antiguo sin palabras hasta que viene el momento de gloria. Después de tanto pasito puedo decirte, mi callo, que compartiendo contigo conmigo estamos a salvo. Que compartiendo contigo conmigo estamos a salvo, a salvo. Y nuestro castillo. Intento trabajar, intento reír, poder amar, tanto tomar, intento trabajar, intento reír, tanto tomar, intento trabajar, intento reír, para poder amar, tanto tomar, intento trabajar, intento reír, ay, 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 buscando pa'l monte, de día, de noche, buscando tu color, buscando tu aire, tanto trabajar, tanto reír, pa' poder amar, tanto tomar, tanto trabajar, tanto reír, tanto tomar, tanto trabajar, tanto reír, pa' poder amar, tanto tomar, tanto trabajar, tanto reír. Aunque puedo ver entre tu lágrima, aunque puedo ver en tu cometerío, aunque puedo ver un mar de lucero, aunque puedo ver de comprendre, comprendre la vie, voir ce que l'on en fait, arriver à s'entendre, je voudrais qu'on s'élève pour une fois, et puis qu'on descende les préjugés, les entre-soi, qu'on les réduise ensemble.
construire avec ce qu'on a. On a tellement déjà, sans se laisser prendre en otage par des illusions, des mirages. Toi te dire ça ne tient qu'à nous, même si c'est dur de rester sage. On n'a pas le choix, faut tenir le coup. On peut pas se laisser mettre en cage. Il faut se libérer, yeah. Apprendre à se parler, yeah. À nouveau s'élever pour retourner au pays, yeah. Faire attention, faire de son mieux. Rester lucide, pas trop candide. Ne pas se laisser convaincre par ceux qui remplacent leurs idées par du vide. Si la pauvreté nous menace, qu'elle nous paralyse, qu'elle nous fige, elle nous réduit, elle nous divise, elle nous fait passer pour des lâches. Il faut se réveiller, yeah. On peut se rassembler, yeah. L'univers embrassé, yeah. Pour retourner tout pays, yeah. Merci beaucoup. Merci également au studio 25
qui est situé au 25 route de Jouy à Bièvre. Merci à toute l'équipe qui est en régie, que vous ne voyez pas, mais qui fait un travail remarquable. Je vous souhaite à nouveau à toutes et à tous une très bonne et heureuse année. Surtout, prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne année, merci.